Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien passer la tondeuse dans le jardin. Parce qu'avec le temps qu'il fait, ben ça pousse, hein, du soleil, de la pluie. Il commence à être temps de reprendre les passages de tonte réguliers. Mais avant de passer la tondeuse, pour éviter que ça s'enracine trop profondément, il va falloir arracher tous les orties qui poussent tout le long. Ah, mon kiff personnel, l'arrachage d'orties. Mais un jour j'en viendrai à bout. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y en a qui les sèment. S'ils en veulent, moi j'en ai, hein. Irouna. Irouna. Et on a posé la paix. Qu'est-ce que tu fais, ma petite? Pour une fois que t'as le droit de gratter. Non, ma fille. Bon, ben là, je crois que niveau ortie, on est pas mal. Ça re-remplit le sac. Ah oui, je mets pas les orties directement au compost parce que j'ai pas envie qu'ils repoussent. Donc, je les fais d'abord composter dans le sac et puis après seulement, quand je suis presque sûre qu'ils sont bien morts, et je les mets au compost ou à la déchette. Ça dépend. Là, cette saison. Ils sont pas en fleurs, il n'y a pas de graines, donc je vais sans doute les mettre au compost. Une fois que les racines auront déjà bien composté. Mais par contre, ouais, quand j'arrache des orties en fleurs, c'est déchetterie. Le but de les arracher, c'est pas de les ressemer après. Hein. Par contre,
Si quelqu'un a une technique pour se débarrasser des orties, je suis preneuse. Parce que bon, on m'a dit que c'était parce que la terre, elle était trop riche en azote. Alors j'ai planté au pied du figuier des légumes gourmands. Hein, des courgettes, des machins, des trucs. Bon, les orties, ils ont poussé au milieu des courgettes, hein, ça les a pas gênés. Après, ouais, non, mais c'est parce que ta terre, elle est pas assez couverte. Alors, j'ai mis de la menthe. La menthe, elle a galé partout. Et ça n'a pas empêché les orties de pousser au milieu de la menthe. Donc je les arrache régulièrement. Dès que le sol est un peu humide, histoire d'enlever au maximum les lianes qui leur permet de se déplacer. Et ils repoussent quand même. Donc si quelqu'un a un truc, hein, je suis preneuse. Et voilà, une fois que tout a été arraché, en essayant d'enlever au maximum les racines, on va être prêt pour passer la tondeuse. Bon, tant qu'on est dans le jardin, on va faire un petit point de d'où est-ce que ça en est. Donc là, j'ai fait des boutures de framboisier. J'ai taillé d'un côté, j'ai replanté dans la terre de l'autre. Apparemment, ça a pris. J'avais essayé juste à côté, là, de faire la même chose avec la verveine. Ça n'a pas marché. Donc après, on a donc les boutures de framboisier qui sont en pleine forme. Les autres framboisiers qui s'éclatent avec une rhubarbe. Alors elle a passé une nuit à moins 5 les racines à l'air. Mais elle est magnifique. C'est génial. On va se déplacer un petit peu. Hop. Là. Donc. J'avais fait des semis de petits pois godets. Ils ont été mis dans le bac. Au milieu, après, je vais en profiter pour repiquer quelques salades que j'avais semées en clillettes, que j'ai repiquées il y a 2 semaines dans des godets, qui maintenant, hein, j'entends juste de rejoindre le jardin. Et attention, attention, attention. Les framboisiers en plein éclat. Je crois qu'on va finir avec une forêt de framboisiers. Au moins, ça va nous faire une jolie petite pépinière qui, après, pourra aller peupler le champ. Parce que je pense que tout va pas pouvoir rester dans le jardin, c'est pas possible, il y en a trop. Petite évolution dans la serre à semis. Donc, on a toutes les salades, je crois que c'est la merveille des 4 saisons ou un truc comme ça, qui étaient semées en clillettes et qui ont été repiquées dans les godets et qu'on va bientôt pouvoir mettre au jardin du coup. Donc je vais d'abord mettre une première plaque, l'autre restera tranquillement dans la serre et puis une fois qu'on aura mangé la première plaque, on attaquera la suivante. En dessous, on a le persil qui s'éclate. Et les blettes qu'il va falloir que je repique en godet. Parce que les petites fleurs à côté, je pense que ça sera touffe dans le jardin comme ça. Et tout en bas, on a fait des petits tests de boutures de rosier. Mais je vous montrerai les résultats, je pense, dans une prochaine vidéo.